Nous continuons donc cette matinée après la partie commercialisation. Nous allons aborder le sujet de la santé qui nous est toujours chère. Voilà, pourquoi est-ce que l'on produit des légumes? C'est pour être bien nourri, être en bonne santé. Et nous avons donné un peu une dimension internationale à ces rencontres nationales avec Dan Kadridge que j'accueille. Donc merci beaucoup Dan d'être avec nous. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir. Tu viens des États-Unis. Tu as fait l'effort. Je t'ai dit, on fait un colloque en France. Tu nous as dit, ah oui, très bien, je viens. J'étais assez surpris. So you have said to me that you will you can come in France really easily and directly. And so thank you very much for your venue here in France. And we welcome you in France. And donc on va Dan va nous présenter tout le travail qu'il a fait sur la documentation de ce qui se passe dans la qualité nutritionnelle de notre nourriture. Et donc vous allez voir son travail pendant, là on va faire une petite présentation de 20 minutes, alors il y a la traduction donc ça réduit un peu le temps de partage. Et puis Dan a été aussi maraîcher et donc il va nous présenter une vue de comment fonctionnent les techniques de maraîchage sans travail du sol aux États-Unis. Donc on ne peut pas tout faire évidemment ce matin, donc c'est pour ça qu'on a calé un autre temps à 14h où Dan aura une heure et demie pour présenter toute la partie production légumière aux États-Unis. Donc je vais laisser la parole à Dan. I will give you the floor for your speech and André va nous faire la traduction. Merci à vous. All right, thank you. Merci. We can turn the slide off for now. If you don't mind. On peut enlever le diaporama pour l'instant. So, I actually want to be closer to the computer. So, if you want to be in the middle. I go in the middle? Yeah. I go in the middle? Yeah. Yeah, okay. Yeah. So, thank you for the opportunity to be here. Je vous remercie de pouvoir être ici. My name is Dan Kittredge. I'm from the United States and I have grown up on a vegetable farm. Je viens des États-Unis et j'ai grandi sur une ferme maraîchère. It was certified organic and my parents also worked for an organic farming organization for 35 years. So I am a farmer but also from this movement. Et donc c'est une ferme en agriculture biologique et je suis aussi membre d'un groupement group of farmers. It's called the Northeast Organic Farming Association. Donc, je suis aussi membre d'un groupement d'agriculteurs en agriculture biologique. From seven states in the northeast part of the United States. From? Seven states. Ah oui, qui est un groupement qui recouvre sept États au nord des États-Unis. And they just had their 50th annual conference last year. And what? They just had their 50th annual conference. Ils avaient donc la 50e anniversaire de leur création. So it's a established community. Et c'est vraiment un groupement bien établi aux États-Unis. After farming in the summertime and you know through my high school and college years and into my 20s, doing some traveling in the wintertime. Et j'ai beaucoup donc passé du temps à cultiver en été et à voyager en hiver. When I got married, I had found no better lifestyle to raise a family on than the homestead like I had been raised. It's resonating. You can't hear me? Yeah. It's, no, it's resonating. When I got married. Huh? Ah oui, quand je me suis marié. I had found no better way to raise a family than on a farm. I don't. Ah oui, je n'ai pas trouvé une meilleure façon que d'élever mes enfants sur la ferme. This is not working well. And I had no other skills to make a living besides farming. There's too much noise. Can you come? It will be easier. There's too much resonation. We have a second translator. Go for it. Okay, I said, and I had no other skills to make a living besides farming. Wait, I'm going to come down.
There's a reverb. Strong. Reverb. Yeah. Go ahead. Maybe go it's ahead. This thing right here. No, I'm much better here. Go ahead. And I had no other skills to make a living besides farming. Et je n'avais absolument que notre talent en dehors de mes connaissances en agriculture. But I rapidly realized that, like my parents, I couldn't make a living farming. Et de la même manière, j'ai réalisé très vite que je ne pouvais pas vraiment m'en sortir de manière économique comme les parents l'avaient fait, comme mes parents l'avaient fait auparavant. I regularly suffered from pest pressure, disease pressure, and limited vitality in my crops. De manière générale, j'ai eu beaucoup de problèmes sur le plan de la vitalité de mes récoltes. Donc j'ai observé de gros problèmes sur le plan de la production de ma ferme, de la ferme de mes parents. And I thought that if organic was better because we didn't use chemicals, our plants should be healthy. Et donc son hypothèse c'était que si j'étais en bio, ça irait mieux. But apparently that was not true because our plants were attacked by insects and disease. Mais en fait, ce n'était pas le cas. La réalité c'était que même en bio, mes récoltes étaient attaquées par les insectes avec des problèmes. So I started studying, going to conferences, reading books, attending seminars. Donc ma stratégie c'était de commencer à étudier, d'aller dans des conférences, de lire des bouquins sur le sujet. In the winter and practicing different techniques in the summertime. Et en hiver, j'ai commencé à découvrir et à expérimenter avec des techniques différentes de celles de l'été. And in short order had a dynamic where pests were gone, diseases were gone, and yields were higher. Et donc il est arrivé à, how did you do this? How did you come up with a better result? By learning and practicing. Donc à travers plusieurs expérimentations, il a commencé à avoir des résultats qui étaient qui s'amélioraient au fil du temps. It seems that when you work in harmony with nature, things function more well. Il a commencé à comprendre que si on est en harmonie avec la nature, les choses commencent à s'arranger, à s'améliorer. And foundationally, it's the bottom of the food chain, the microbiome, that is what needs to be supported for things to function well. Et il a donc aussi une réalisation, c'est qu'il a commencé à comprendre que c'était vraiment au niveau le plus fondationnel et basique du macrobiome, donc de la biologie, que tout allait démarrer pour permettre au système de fonctionner. So, as I got these results, I thought, with my experience, I did not have this knowledge. Perhaps other people did not have this knowledge also. Donc, il a commencé à comprendre qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui avaient compris qu'en fait, il y avait cette relation avec les éléments de biologie profonde et le résultat final. And started teaching workshops, which turned into courses, which turned into an NGO. Et j'ai commencé à mettre en place certains ateliers et certaines modes de formation qui ont finalement abouti à la formation d'une association, donc d'une entité. This is taking too long. I have 13 minutes left. Okay. The focus of the NGO is not only plant health and farm viability, but actually the nutritional quality of the food. Donc là, son association, son groupe, en fait, l'objectif c'est pas simplement la qualité de l'agriculture, mais aussi l'impact sur la santé. It seems that when the plants are healthier, the soil is healthier, the farms have a better income, but also the crops are more nutritious, have better flavor. Donc il a commencé à relier la santé des plantes, la santé de la ferme et la santé des personnes qui consommaient le produit. We are focused on the nutritional quality of the food, not the technique or the name of the process. Donc son focus est vraiment de parler de du côté nutritionnel, du contenu nutritionnel de la nourriture qui est produite.
We integrate the wisdom of permaculture and biodynamics and organic and agroecology, conventional, etc. Donc c'est une intégration générale de toutes les techniques, permaculture, agroécologie, biologie, agriculture biologique et biodynamie. The point is, et du conventionnel. It's the quality of the food that matters, not the label that you sell it under. C'est le côté de la qualité nutritionnelle de la nourriture qui compte, pas les labels des systèmes agricoles. We understand that there is a significant nutritional variation in food currently available to people to purchase. On comprend, on est très conscient du fait qu'il y a vraiment une variation énorme de qualité nutritionnelle par rapport à l'offre qui vient de différents systèmes. And that for the consumer, the relative point is how good is the food for themselves and their children. D'où donc l'interrogation majeure, c'est de comprendre comment arrive-t-on en fait à apprécier les différences de valeurs nutritionnelles entre les systèmes différents. So for the past 5 years, we have been working to develop the ability to discern this variation for consumers. Donc son travail, c'est pendant les dernières 5 years. Yeah. Et les dernières 5 années, c'est de vraiment arriver à quantifier et à trouver les relations entre le système et la qualité nutritive. Instead of having a label which says organic or not organic, au lieu d'avoir des labels bio et non bio, we would like the consumer to say, this carrot is 20 out of 100, this carrot is 40 out of 100, and this carrot is 80 out of 100. De faire un shift, une transition sur la vraie question, est-ce que cette carotte, c'est un 20 sur 100, ou c'est un 40 sur 100, ou c'est un 60 sur 100? We have three basic objectives. Oh, nous avons trois objectifs différents. One is to define the nutritional variation in food. Définir la variation de la valeur nutritive de la nourriture. The second is to connect those nutrient variations to causal factors. De trouver les relations causales entre la valeur nutritive et le fondement du système qui est derrière ça. And the third is to develop a handheld instrument that can be used to test nutritional variation in real time. Et le troisième objectif, c'est de déterminer ou d'arriver à construire un instrument qui permet de contrôler et d'évaluer la valeur nutritive des légumes. With a handheld instrument, with a flash of light. Avec un instrument qui est en fait tenu par la main comme une lampe portable. So in 2017, we built the first meter. Donc en 2017, ils ont construit le premier instrument. In 2018, we built our first lab. En 2018, ils ont démarré leur premier laboratoire. We tested our first two crops, carrots and spinach. Ils ont donc testé leurs deux premières récoltes qui étaient la carotte et l'épinard. And we found nutritional variations between 3 to 1 to 15 to 1 on minerals. Et nous avons trouvé des variations de valeurs nutritives entre 3 sur 1, en ratio de 3 sur 1, jusqu'à 15 sur 1. And 75 to 1 to 200 to 1 on compounds. On? Compounds. Compound? Like antioxidants or polyphenols, as opposed to oh, nutrients. D'accord. Et what was the value? 75 to 1 or 200 to 1. Et sur tout ce qui est oligo-éléments et donc des choses très fines au niveau nutritif, on avait des variations qui allaient de 75 sur 1 jusqu'à 300 sur 1. So, for instance, this carrot has as much calcium in it as those three carrots, would be 3 to 1. Donc une carotte avec de qualité peut en fait valoir 3 carottes d'une valeur inférieure. This leaf of spinach has as much iron as those 15 leaves of spinach would be 15 to 1. Que cette botte d'épinard en fait a 15 fois plus de fer que cette botte d'épinard. In 2019, we built our second lab and began working with farmers. En 2018, donc nous avons construit ce laboratoire et nous avons commencé à travailler avec plusieurs fermiers aux États-Unis. To identify the connections between management practices and crop nutrient levels. Pour commencer à essayer de déterminer les relations entre les systèmes qui sont employés dans les fermes et la valeur nutritive des légumes qui sortaient de ces fermes. We asked farmers to send in soil that the crop grew in.
Et nous avons demandé à ces fermiers, qui faisaient partie du groupe, qui étaient inscrits, à nous envoyer des échantillons de sol. And answer a number of questions about variety of seed, tillage, fertility program, irrigation, etc., etc. Et demander à ces fermes qu'ils nous définissent leur système au niveau du traitement du sol, de leur pratique d'irrigation et tout ce qui comprend une ferme. In 2020, we set up our third lab. En 2020, nous avons construit notre troisième laboratoire. And by that time had increased the number of crops assessed to 25. Et à ce moment-là, nous avions jusqu'à 25 légumes différents qui étaient en test. And we worked with over 200 farms. Avec 200 fermes qui étaient dans la population des échantillons. Both in North America and Europe. À la fois aux États-Unis et en Europe. And with every sample that got sent to the lab, we took the meter and flashed a light at it first. Et avec chaque échantillon qui a été envoyé sur le laboratoire, nous avons utilisé donc l'instrument qui est un réfractomètre pour établir la valeur nutritive de ces légumes qui nous sont envoyés. So we could develop a connection between the spectral signature off the crop with the nutrient levels from the lab reading. Pour essayer de déterminer une corrélation entre la lecture du réfractomètre et les analyses nutritives du laboratoire sur ce légume. Donc essayer de trouver la relation avec l'instrument lui-même. By the end of the 2020 data year, we had calibrations for 10 crops for this meter. Et donc nous sommes arrivés à la fin de l'année 2020 avoir des calibrations par rapport aux résultats que l'on obtenait avec le réfractomètre. Hein? Un spectromètre? OK, spectromètre. So now you can take this, go to a grocery store, flash a light at wheat or zucchini or carrots and get a reading in your smartphone in real time. Donc maintenant avec ce spectromètre que si vous l'avez en main et vous allez dans un magasin, vous pouvez en fait faire un flash du spectromètre directement sur l'étal du magasin et avoir une relation avec son contenu nutritif. Our concept is that if consumers can choose the best food for themselves and their family, they will. Donc nous arrivons à un point où nous donnons le pouvoir à chaque consommateur d'aller dans un magasin et d'être capable de vraiment choisir le meilleur légume possible sur ce plan-là. And when those crops leave the shelf, the buyers will go to the growers for more of that better quality. Can you say that again? And when those crops leave the shelf, the better crops, the buyers will go to the farmers for more of that better quality. Okay, so à partir du moment où les consommateurs commencent à vraiment à avoir un impact directement, l'acheteur donc il va comprendre que il va commencer à acheter ces légumes qui sont achetés par les consommateurs, donc il va y avoir une sélection sur le meilleur des fermiers qui utilisent les meilleures méthodes. Providing an incentive for farmers to focus on nutrition as opposed to volume. Donc, d'où, en conséquence, le fermier, à son tour, est forcé de vraiment avoir un objectif majeur de se concentrer sur la valeur nutritive de ses légumes et pas de la production, de son volume, voilà, d'autres choses. I have only 3 minutes remaining, and I'd like to spend that with some of the details we found from the work. Okay. Do you want to translate that? Hein? Oh, I'm sorry, yeah. Donc, ouais, moi j'écoutais, là. Du coup j'écoutais. Là. Donc là, il va s'arrêter à ce niveau-là, il va maintenant partager certains détails de son travail avec vous. One very important point is that the vast majority of the food that's available is of relatively poor quality. Ok, ce qui est quelque chose de très important, c'est qu'en fait, une vaste majorité des produits qui sont disponibles dans les magasins, c'est vraiment pas génial ce qui se passe. This is the graph of antioxidants in carrots. Le graphe des antioxydants sur la carotte, voilà. Each color is a 20th percentile of the range. Chaque couleur est un percentile. So you can see the vast majority of the carrots
Ah, okay. Are in the bottom 20th okay. and the second 20th percentile. Donc c'est en, ça c'est une mesure de la qualité. Donc sur la gauche vous avez les percentiles qui sont mauvais, c'est ça? Les 20 meilleurs pourcents sont à droite en bleu. In fact, there are very very few carrots available that are in the top 20th percentile. Donc très très peu de, d'échantillons, vous voyez la, la case bleue là, en fait correspondent au, au top percentile des 20% meilleurs. Très, très peu. This is polyphenols, a very similar graph. Polyphenol, qui est une autre, un autre élément de, du côté nutritif de la plante. La même chose. Donc la majorité, une vaste majorité, c'est sur du côté négatif en polyphenol. This is calcium, an element which actually is not quite so bad. Le calcium, par contre, ça va, c'est un profil un petit peu plus plus sympa parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'échantillons qui sont dans les 20% les meilleurs au niveau de, du contenu du calcium. And here is potassium. Potassium, voilà, plutôt dans le milieu. Phosphorus. Phosphore. More like the antioxidants and polyphenols. Donc là aussi, il y a un problème. Très peu de en phosphore, il y a vraiment un problème de qualité. Sulfur. Soufre. La même chose. Très peu d'éléments dans, dans la bonne catégorie. And BQI, this is our average of integrating all of these crops. Et ça, c'est une moyenne générale de tous les éléments nutritifs. As we can see, it is possible to have high quality, but almost no one is accomplishing that. Donc c'est possible d'avoir une très bonne qualité nutritive, mais pratiquement personne, aucune ferme, en tout cas sur les échantillons qui ont été pris, le démontre. We have found that these nutrient levels do not connect with labels like organic or biodynamic, period. Et nous avons en fait découvert qu'il n'y a pas de relation, de corrélation entre la qualité nutritive des légumes et les systèmes labellisés de certaines manières comme biodynamie ou biologie. What it connects to is the management practice and the health of the soil. La vraie source de la différence de qualité, c'est les méthodes, les pratiques vraiment sur le terrain. Et le sol. La qualité du sol. The quality of the soil. You found that the quality of the soil was a major factor. The health of the soil. Right. La santé du sol, c'était vraiment à la base de tout. I'm out of time, so should I stop or how much more should I keep going? Short. we have developed an open source database that is, among other things, has the objective of supporting farmers in doing a better job. Nous avons développé une source ouverte de données pour que les fermiers puissent accéder à ces données et essayer de travailler leur méthode de manière à améliorer leurs résultats. So, for example, this is a graph which shows the varieties of carrots and how they register on the overall quality index. C'est le graphe de toutes les variétés différentes de carottes qu'ils ont pour lesquelles ils ont des échantillons et les résultats de qualité. Voilà. This is crop color. Ça c'est la couleur des carottes. Can you define the what the bar what kind of quality measure is this? What we're showing is the range. The range of quality? In this case, quality? It's calcium. D'accord. CA is calcium. The real question is, what is quality? La question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'est la qualité? Comment arrive, quelle est la définition de qualité dans le légume? We can look at antioxidants. On peut regarder les antioxydants. Polyphenols. Polyphénols. Minerals. Minéraux. BRICS. BRICS, le facteur BRICS. Chromatography. Chromatographie. As the biodynamic people would do. Comme les biodynamies, les gens biodynamiques le font. Flavor. Saveur. Some people may use a pendulum. un pendulum sur le légume. But the real question is, what causes you to be healthier? Mais la question de base, c'est quelle est la,
la source de votre santé personnelle. To be able to say this carrot is better than that carrot is actually a very strong statement. Dire que cette carotte à gauche est plus est meilleure que celle de droite, c'est vraiment quelque chose de très fort comme affirmation. I would say we do not know what quality is, but it is a very important conversation. En fait, il dit que en fait, il sait pas vraiment encore comment définir le concept de qualité, mais c'est une discussion que tout le monde de qualité, mais c'est une discussion que l'on devrait avoir. And it seems that it connects to soil health, plant health, farm health, human health, and overall ecosystem function. Mais il semble que la question centrale de qualité et de qualité, c'est relié à la qualité du sol, la qualité de la ferme, aidez-moi, et la qualité de l'écologie autour de la ferme. We are an NGO, we have a website. I'm happy to talk to you all later, and thank you for your time. Thank you very much, Dan. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, vous avez toutes les informations sur ce qu'il fait sur le BioNutrient Institute. BioNutrient Institute, vous pouvez taper ça sur les et vous avez les accès à ces résultats qui sont proposés et tout le travail de campagne qui est fait sur ce sujet-là.